Pourquoi ? Bonjour, je suis la voisine. C'est pourquoi ? Ah oui, ok, ça commence bien. Ça fait 3 soirs que vous faites un boucan de malade et vous vous demandez pourquoi je viens vous voir ? Déjà, vous avez commencé par parler sur le ton, là ? Ok, bah, je parle sur le ton que je veux. Hein ? Moi, j'habite ici depuis toujours. Donc maintenant, vous allez vous calmer un peu. Non mais, boucan, vous foutez de ma gueule, là ? Vous êtes à 50 mètres, on est en pleine campagne, en plein hiver, vous avez un problème avec le bruit ? Le boucan infernal me dérange ! Tout à fait ! Vous n'êtes pas tout seul, monsieur, ne soyez et pas égoïste ! Mais vous faites surtout chier, parce que vous n'avez pas d'amis, et là, vous êtes jalouse, vous dites quand vous avez emmerdé les gens. Non, c'est ça, hein, votre problème ? Ouais, ok, c'est ça, ouais, vous êtes un seul égoïste, en fait. Quoi ? Mais croyez pas que ça va se passer comme ça, hein ? Encore une seule fois, je vous préviens, et moi je porte plainte, ouais. Ça recommence ne serait-ce qu'une fois. Ouais, c'est ça, allez portez plainte, ouais. Crétin ! C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Sale conne ! Putain ! C'est pourquoi ? Bonjour, je suis la voisine. C'est pourquoi ? Je venais vous souhaiter la bienvenue déjà, parce que vous êtes nouveau ici, et je vous apportais un petit cadeau. Est-ce que vous aimez les chocolats ? Non, mais pourquoi vous êtes là ? Mais je suis Geneviève, la voisine, j'habite juste là, juste en bas. Ok. Je me demandais si on pouvait se parler pendant 5 minutes, on aurait pu aller chez vous, ou bien on peut aller chez moi aussi. Non. D'accord. Mais est-ce que ça va quand même si on parle 5 minutes ? Pas plus. Ok, bon, 5 minutes, hein, mais pas plus, là. Ok, alors je vous explique. Hein. Moi, je suis prof au collège. Donc, tous les matins en semaine, je me lève à 6h30 pour être à l'heure à l'école. D'accord ? Et puis là, ça fait 3 nuits que je me couche pas avant 1h du matin. J'arrive pas à m'endormir. Oui. Donc, bah oui, j'ai bien compris que vous faisiez la fête, ça, voilà, c'est normal. Mais samedi soir, bah, je dis rien, c'est la première fois, c'est samedi soir. Le lendemain, c'est dimanche, même si j'avais du travail, voilà, je dis rien. Dimanche soir, bah, ça recommence. Je me dis, bon, bah, ça va être la dernière fois. Hein. Mais hier soir, ça a recommencé. Donc, aujourd'hui, j'étais quand même plutôt KO à l'école. J'étais pas super bien, bien. Vous n'allez pas me dire que là, vous êtes à 50 mètres. Vous n'allez pas me dire que vous entendez le son de la musique, quoi. On est en pleine campagne. Ça dérange pas, le bruit des voisins, comme ça. Bah oui, je suis désolé, mais ça fait vibrer toutes les fenêtres de la maison. C'est des mauvaises fenêtres. Elles sont de mauvaise qualité, vos fenêtres. Non, elles sont pas mauvaises. Je les ai toutes refaites il y a 5 ans. Si vous voulez, on va voir. Hein. Vous mettez la musique. On va chez moi, vous verrez. On peut essayer, hein. Non. Bah, je sais pas quoi vous dire, moi. Vous avez mis des boules caisses ? Ah, j'ai essayé les boules caisses, hein, je vous avoue, mais ça suffit pas. J'ai même rajouté des doubles rideaux dans ma chambre, ça suffit pas non plus. Alors je me disais, bah, est-ce que vous pourriez essayer de baisser la musique à un moment donné ? Ben, je sais pas, moi j'ai des potes qui sont là pendant plusieurs jours encore, ils sont venus pour faire la fête, moi je vais pas leur dire on arrête de mettre la musique, quoi. Ah mais je comprends que vous ayez envie de faire la fête, et puis on fait pas la fête sans musique, je comprends bien tout ça. Mais est-ce que vous pouvez comprendre de votre côté que moi j'ai besoin de dormir ? Bon, ça me fait un peu chier, mais je vais voir avec eux là, je vais voir ce que je peux faire, ok ? Ça marche ? Ouais, c'est-à-dire ? Bah, ce qu'on a dit là, on va voir si on peut baisser la musique, si mes amis quand ils sortent, qu'ils arrêtent de crier ou qu'ils crient moins fort, enfin voilà, ces choses-là. Ce serait super, vraiment, ce serait super. Hein. Et puis si mes propositions ne conviennent pas à vos amis, bah, vous pouvez toujours revenir vers moi, on peut en parler, je suis là. Ouais, ok. Bah, ça marche, mais en tout cas, moi, il faut que j'y aille, je vous tiens au courant. Et, ouais, voilà, mais écoutez, je vous laisse mon numéro. Hein ? Ça marche. Hein, d'accord. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Ex aequo, exprimer, écouter, coexister. Toutes nos activités ont le même objectif. Apprendre ensemble à mieux s'écouter, mieux se parler et mieux coexister.
dans le respect des besoins et des aspirations profondes de chacune et chacun. Vivre mieux avec soi et vivre mieux avec les autres, c'est possible, ça s'apprend. Aller vers des relations apaisées, authentique et joyeuse, c'est possible. Ça s'apprend. Et c'est fondamental pour relever ensemble collectivement les grands défis de notre époque. Depuis 2018, nous avons animé plus de 211 ateliers, conférences et formations à prix libre. Pour permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir apprendre avec nous, quels que soient leurs moyens financiers. Près de 400 personnes ont déjà pu en bénéficier. Nous sollicitons votre aide pour continuer à diffuser des outils concrets de pacification et de coopération. Nous souhaitons continuer les ateliers à prix libre. Et commencer de nouveaux projets originaux et utiles au plus grand nombre. Par exemple, organiser une journée de l'entraide pour aider les personnes dans le besoin pendant toute une journée. Et les inviter à partager un repas pour fêter cela. Et faire de nouvelles vidéos pédagogiques de résolution du conflit qui parlent à toutes et tous. Et qui montrent qu'on peut améliorer énormément de situations en changeant nos manières de nous parler et de nous écouter. Vous pouvez nous aider à faire tout cela, et même plus. En faisant un don, et en partageant les contenus d'Execo autour de vous. Un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés jusque-là, et aussi à celles et ceux qui nous aideront par la suite. Prenez soin de vous et des autres.